Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Secret of Mana. Ça fait un moment qu'on n'y a pas joué, donc voilà, on est de retour et en forme avec notre cher Nightmare qui est toujours là avec sa fameuse perruque blonde. Pas d'oreille de lapin aujourd'hui? Non, pas d'oreille de lapin aujourd'hui. Donc on s'était arrêté à Dos de Dragon et on devait aller à Mandala. Et il me semble que au niveau du point de sauvegarde, La j'ai vu question c'est... qu'on était à Mandala. Alors, attendez, je vais baisser le son dans mes oreilles. Alors attends, je ne peux pas bouger, là les gens n'ont pas de son. C'était un peu trop fort. Hein. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien les gens, hein, que vous avez la pêche. Moi, je suis un petit peu en manque de motivation là. Voilà. Mais bon, ça va le faire. Donc on est au village des grosses têtes. Ouais. Bonjour. Alors, fatigué d'avoir grimpé jusqu'ici? Quoi, vous êtes venu par les airs? Mais c'est de la triche! C'est pas vrai. Vous n'avez pas vu notre dragon? Exactement. On dirait une ville du début, quoi. Bon, je te suis, hein, je te rappelle. Hein. Tu es le guide. Je pense qu'on doit aller en haut. Ok, allons en haut. Au nord, toutes! Tu marches sur l'eau en plus, t'es Jésus. Ouais. Ça me dit quelque chose cet endroit. Je sais pas, ça ressemble peut-être à un temple. Ah, on est déjà. Oh là! Ce serait pas le fameux. Le fameux temple de Mana là? Je sais pas. Celui-ci a l'air cassé. Je pense qu'on va activer le temple. Faut trouver celui qui n'est pas cassé. Ah, il est explosé. Ok. Enfin, à tous les coups, c'est celui du milieu qui est pas cassé. Elle est responsable des différents pays se querellent au sujet de l'utilisation de l'énergie de Mana, qui est aujourd'hui presque complètement épuisée. Tout ceci est grotesque! Grotesque, mais pour qui vous prenez-vous enfin, hein? Ah, je ne saurais tolérer un tel affront! Mais que faites-vous? Arrêtez! D'accord, c'est un message radio, quoi. Je crois que la transmission est arrêtée. Bienvenue, chers téléspectateurs! Regardez, c'est le Bénévodon! Oh mon dieu, il vient de détruire la forteresse volante gigant! Elle tombe à la mer! Oh, il fonce droit sur nous! Nous allons devoir interrompre notre direct! Adieu, chers téléspectateurs! En fait, c'est les stations de télévision, quoi! C'est ça. Voilà. Petit freeze. Ah, apparemment, les lags sont de retour. Ça drop aussi sur le chat. Enfin, sur le live. Désolé, la 4G, on l'aime. Mon cœur, mon amour, la la la. Ma gorge se noue quand je te vois, la la la. Et tout bouillonne dans ma tête. C'était MCM, c'est pour ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à la dernière télé? Débutons ce. Débutons ce bulletin. C'est bulletin. Ok. Ce bulletin d'information avec ses missiles de l'Orimar à l'aube pour contrer l'avancée impériale. Par mesure de rétorsion, l'Empire prévoit d'attaquer la capitale de l'Orimar, Wendel, sous les 24 heures. Merde. Je sais pas si c'est vraiment intéressant de les lire, mais on le fait. Hein. Écoutez. Question 7, bonne réponse. Bien joué, madame. C'est gagné. Ok, à part ça. T'en montes là? Rien ici. Donc, ils ont des pierres pour pouvoir regarder la télé. Voilà. C'est original. J'imagine bien les moines. Oh, lui, il est en mode.
Bonjour. Hey, ne troublez pas la méditation. Il va faire un CD, Kells Nightmare. Exactement. Je crois qu'il faut trouver quelqu'un. C'est possible. Bonjour, vous êtes venu prier, vous aussi? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a moyen d'aller au sommet du temple? C'est ce que je veux savoir. Bah, j'ai pas l'impression. Et si ça c'est... Vous allez dire, et si ça c'était un escalier? Il y a pas l'air. Non. Parce qu'il y a du monde en haut. Alors est-ce qu'il faut pas les scanner, ces trucs-là, là? Je peux essayer, mais... Sinon, regarde... ton guide. Ils ne disent rien là-dessus. Ah. Non, je peux rien scanner. D'accord, bon, on se casse. Justement, le fameux GPS me dit de trouver un vieux au-dessus du temps. Et on ne le trouve pas, donc on va passer. Peut-être un truc à faire avant. Parce que des vieux, il y en a partout, là. Retournons... Tiens, attends, il y a un forgeron. Oh, je suis épuisé après avoir grimpé jusqu'ici. Ah, est-ce qu'on a des trucs à faire forger? Je vous attendais. Les griffes, semblerait. La lance aussi. Là, effectivement. Enfin, plutôt c'est le javelot, ça, je crois. Ah ouais? Ouais. Et c'est tout. Y a l'air. Le live karaoké. Et pourtant, moi, j'ai un SingStar et j'ai les micros, quoi. Mais bon, le faire tout seul, c'est un peu nul. Un jour, pourquoi pas. Mais je chante très mal. Sympa la musique, là. Alors, je sais pas pourquoi on les tue. Non, faut aller en haut de la montagne, ils ont dit. Hein. Ouais, mais après, il faut redescendre, en fait. C'est pour parler à un vieux qui nous explique pourquoi. D'accord. Mais bon, je pense que ça peut être... Est-ce qu'on va là-dedans? Non. Il parle de la grotte, mais on s'en fout. D'accord. Là, je vais peut-être prendre la lance. T'auras une plus grande portée, hein. Alors dans SingStar, dans celui que j'ai, il n'y a pas libéré délivré. Peut-être en DLC lié la chanson, mais j'ai pas accès au DLC. Donc je ne l'aurai pas. Puis honnêtement, quitte à chanter libéré délivré, je préférerais la chanter en version anglaise. Oh. Elle est très bien la version française aussi. Ouais, mais voilà. Arrête de faire ton puriste. J'avoue que moi, la première fois que j'ai entendu, c'était en français, donc je suis plus habitué à l'entendre en français. En anglais. Ah, moi aussi, mais je trouve que, enfin, ça communique moins, je trouve, en français. On n'a pas des mots aussi violents qu'en anglais, je trouve. Ouais, je sais pas. T'as pas l'air de pouvoir lui faire mal. Étant changé en pierre, enfin en mannequin piece, pour être précis. Ouais, du coup, il te faut un fouet maintenant. Non, il faut le fouet. On vient de se souvenir pourquoi Nightmare était équipé du fouet, en fait. C'était pour éviter d'aller dans le menu toutes les 5 minutes. Effectivement. C'est uniquement pour ça, je pense, que Nightmare joue le fouet. C'est pas une arme qu'il apprécie, je pense. Et c'est, en plus, c'est vrai qu'on a, on a tous les trois une arme qui... Bah, moi, je coupe les feuilles. Le nain coupe les... Les roches. Les gros, les trucs qui nécessitent d'être gros. Ouais.
Allez, viens là, le gnome. Par contre, je ne chanterai jamais en québécois. Voilà, ça ton vieux? On n'entre pas, le maître est absent! Ah bon? Maître Jacques s'est rendu au temple des ténèbres. Il se trouve devant une grotte devant laquelle vous avez dû passer en venant. Espèce de gros. Pourquoi Nightmare? Je t'ai dit. Parce qu'il faut venir ici avant. Ah d'accord. Tu crois franchement que je me serais amusé à me taper tout le chemin si on pouvait se... Si on pouvait juste aller directement par dans contre, la grotte. Le gnome va mourir. Hein. Et toi aussi d'ailleurs. Ah mais Catboy, ça c'est... C'est privé ce genre de détails. Merde, je cours à côté, ça va pas le faire. Ouais, j'aime beaucoup le thème audio là. Je sais pas si ce que t'en penses toi. Oui, pas mal. Oh, le gnome a du mal. Hein. C'est l'IA, c'est normal. Enfin, comme j'avais l'habitude de l'appeler lors de mes grands jours sur certains MMO, la CA. Pour conneries artificielles. Non, on peut y aller, hein. Ça coûtera pas plus cher. Wow. Quoique, si, ça nous coûtait de la mana. Oh bah, il est mort, là, le gnome. Attends, je veux voir s'il est mort, parce que... Je sais pas si t'as remarqué... Ah si, c'est bon, il était mort. Je sais pas si t'as remarqué, mais tu... T'allais nous faire un podcast, là. Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens, quand ils sont morts, bah, ils le sont pas vraiment. Ouais. Non mais en fait... Non mais ressuscite pas maintenant, t'es fou. Regarde, on se fait défoncer là, on prend des dégâts à gogo. Pourquoi tu le ressuscites quand on est dans la merde? Fallait le laisser comme ça. Ouais. Mais c'est du gaspillage de mana. Oh, dis. Par contre, j'aimerais bien que tu lances tes sorts, si c'est possible. Voilà. Hop, je passe. En plus, tu touches même pas les trois. Voilà. Faut que tu donnes un peu de lest au... Allez, le gnome, là. J'en ai marre. Il vous fait chier. Voilà. Ok. Alors, lui, il a pris cher. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit allumer les trucs là? Et pour ça, il faut un bouton. On n'a pas de bouton. Ouais, on est des esclaves du gnome. Mode gnome. Ça fait plaisir. Ah, il est là le bouton. C'était de l'autre côté, fatalement. Donc en fait, ce truc se... se multiplie. Ouais. C'est comme les slimes, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, on va les tuer parce qu'il y a sûrement un coffre ou une connerie de ce genre qui va apparaître. J'espère. Ah, en fait, je suis tout petit. Il part pas tout seul les faire à un moment? Non, faut le soigner celui-là. D'accord. Non, y a rien. Bon.
Tant pis. Et encore un labyrinthe. Les labyrinthes nous suivent partout. Il y avait un escalier là. Oui, mais c'est toi qui remontais. Hein. Ok, c'est pour aller là. À tous les coups, tu vas voir, ça nous mène là où il faut pas. Tu crois ? J'ai rien dit, il y a un coffre. Il contient... Ouais, on est déjà beaucoup trop riche. Pousse-toi. Ah, hein? Petit freeze encore une fois. Je suis désolé, ça ne vient pas de vous, ça vient de ma 4G, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Que c'est pas de votre faute, c'est de la mienne. Y'a rien. Et par là, y'a quoi? Oh, dégage, oh! Ils sont chiants les ennemis, hein. Quand on veut pas les tuer, c'est vraiment chiant. Attends, c'est pas un truc qu'on peut attacher le fouet, là? Si, mais c'est de l'autre côté, non? Ah non. Si, t'as raison, en fait, c'est faisable que d'un seul côté, j'ai l'impression. Mm. On sait déjà qu'il y a rien dans cette salle. Comment aller là où il y a le bouton au milieu? Je me demande si c'est pas en prenant le chemin qu'on a ouvert tout à l'heure. Je sais pas, moi je dirais qu'on peut aller là aussi. Peut-être un truc. Vas-y, bon, j'abandonne, je te suis. Ben, je sais pas, on n'est pas. Ah ouais. On n'est pas là où on devrait être, c'est vrai, mais. Merde, pourquoi je regarde la fille comme si c'était moi qui jouais le perso de la fille? Parce que tu te dis, ouais, elle joue trop bien la fille. Ouais, mais bien sûr. Du coup, j'aurais tant à avoir autant de cheveux. Ah bah oui, bah ça c'est... L'Oréal. Non, il faut remonter. Ok. Écoute, c'est pas grave. Ah voilà, sans le vouloir, on a activé un bouton. Je sais pas ce que ça a fait, par contre. Ah bah si, regarde, ça a sorti un pic. Du coup, on peut aller de l'autre côté. Donc on doit y retourner maintenant. Salut Damien. Welcome. Vas-y, je traverse les escaliers et les murs, maintenant. Eh bien là, le gnome, là. Qu'est-ce qui nous fait chier, ce gnome, je vous jure. Attends, on va faire quelque chose. Alors, c'est dans quoi encore? Ah, tu vas le mettre en... ACT, garder, voilà. Repousser. T'attaques plus, du con. Pousse-toi. Je l'emmène déjà avec moi jusqu'à la mort, quoi. Avec nous, bah, très bien. Ah, je suis désolé, hein, je... Ma 4G, pourtant, j'ai full bar réseau. What? What? Je crois qu'on peut dire qu'on a fait planter le jeu. Attends, est-ce qu'on peut s'en sortir d'ici? On a une corde de sortie. Ouais, on peut l'utiliser, effectivement. Voilà, on n'a pas à reset et à tout recommencer. Où tu vas? C'est par là la suite. Oh, excuse-moi. Non, mais c'est peut-être à cause de mon lag que ça a bugué. Hein. Donc en fait, la porte qu'on a ouverte servait juste à ça. Ah, une sphère.
Ça va. Heureusement qu'on avait une corde. Hein. Là, effectivement, heureusement qu'on avait la corde. Ah, du coup, c'est là qu'il faut aller, non? Non, non, c'est de l'autre côté. Tu disais? Oui, c'est là, mais c'est en bas. Ça va, c'est bon. On espère que ça va pas rebugger. Faut pas aller. Ouais, non, je fais de la merde. Je fais totalement de la merde. Allez, allez en speedrun là. Mais c'est qui le gnome là? C'est Nightmare le gnome. Qu'est-ce que t'as fait Nightmare? Pourquoi t'as fait ça? Ah non, moi je suis la fille. Non, t'étais le gnome il y a 2 secondes là. J'ai vu que l'indicateur dit 2, t'étais sur le gnome. Il m'aura pas. Laisse-moi du laisse-moi un peu de mou. J'ai eu des strokes. Faut aider la naine. On s'en fout. Salut Destro. Effectivement, au niveau orientation, on est aussi nul l'un que l'autre, mais bon. Faut juste pas que le jeu bug. Logiquement, c'est bon. Hein. Ouais. Je crois que c'était là. Ouais, je pense aussi que c'était chez Lio. Yes. Allez, fouette. Allez, maintenant faut retourner en arrière. What? T'as fait quoi là? Bah, je suis descendu. Comment? Mais je sais pas. Oh non. Attends. Cours un bon coup vers le bas. Attends, mais. Qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as fait? Rien, je suis juste allé vers le bas et il m'a fait descendre. Il y a peut-être moyen de s'en sortir. Allez! Hé! Attends. Joue le gnome là. Voilà. Prends. Non, mais on peut s'en sortir en fait. Faut que tu changes d'arme. Je prenne le fouet avec le gnome. En fait. Ouais. En fait, c'est ça. Putain, what the fuck quoi. Pourquoi on a plein de bugs comme ça? Là, je suis le gnome. Donc, je prends le fouet. Évidemment, il peut pas. Non, il va pouvoir, parce qu'il était occupé avant, donc il pouvait pas. Voilà. Bordel de merde, c'est chaud. Entre tous les bugs qu'on a là... Merde. Allez, je te suis. Non, faut refaire tout le tour. Le jeu vous nous en veut, je ne sais pas. Peut-être. On n'y joue pas assez. Ouais, c'est ça. Ah oh, mais non, la fille. Tu nous emmerdes. Je peux pas monter. Allez. Donc là, c'est moi qui joue la fille. Là, je reprends le garçon. Je reprends Philou. Vous avez voulu l'appeler comme ça. Damien, je l'ai refait il y a pas longtemps, ceci. Tu peux le voir sur la chaîne. Je sais plus où c'est. Évidemment, c'était la porte d'à côté. Ouais. Par contre, c'est un peu chaud là. Ce serait bien de te ressusciter. Tu disais. Oh, on va crever.
Il faut dire les gens, on est dans la merde. Et il y a un boss qui va arriver. On devrait peut-être s'occuper un peu plus des monstres en fait. Je veux bien que tu... Que tu me soignes. Effectivement. J'ai le gros drop. Bah c'est toi la Pumpkin, hein, c'est pas moi. Mais je t'invite à regarder sur YouTube et de changer la qualité du live. Hein. Je vais peut-être aussi te rendre ta taille. Sauf que je me suis trompé, évidemment. Bon, pas grave, je te rends ta taille après. Ouais, si tu veux me soigner toutes les 5 minutes, parce que quand je prends un coup, je prends 118 de dégâts. Par contre, je sais pas pourquoi t'es passé par là. Parce que c'est par là la suite, en fait. Tu crois ? Ça a ouvert une porte au-dessus. Ici, regarde. Vas-y, rentre dedans. Il faut me laisser assez de l'aise pour pouvoir que j'y rentre. Hein, rassurez-moi, chez vous, ça lag aussi les gens ou pas ? Parce que moi, les seuls moments où ça a lagué pour... c'est quand il y a eu des frises, quoi, et c'est à cause de la 4G. Mais là, pour eux, tout va bien, quoi. Oulô. Attends, parce qu'il y a le gnome encore. J'en ai marre de ce gnome. De l'IA tout court, en fait, je pense. Ouais, ça lag pas pour vous. Oh là, le boss. Voilà. D'abord, savoir quel élément il est faible. Ça a l'air d'être bon. Ouais, point de magie. Expérience. Je crois qu'il change d'élément, lui. Craint le feu. Se soigner, ce sera pas du luxe. Bon, est-ce qu'on va y arriver? Mais oui, on va y arriver. La Pumpkin, change la qualité du live sur les autres players. On a fait un site avec plusieurs players. Tu peux regarder le live en 360p et sur un jeu comme ça, c'est pas gênant. Ok, effectivement, il change de... d'éléments, ça va pas être facile de l'avoir à la magie. En 144p carrément. Alors je pense que tu peux te mettre au moins en 360p. Hein. 144, c'est vraiment la loose. C'est pour 56k à 144. Maintenant que Nightmare est là pour penser à nous soigner. Parce que... Il avait combien de PV lui? 3000 et quelques. D'accord. Ça risque d'être compliqué là. Et surtout qu'il change d'élément non-stop en fait. Donc du coup, tout à l'heure, quand j'ai fait boule de feu, bah il avait changé d'élément. Là, il est feu, donc eau de lui faire mal. C'est ça. Eh ben non, il a fait que un dégât. Vas-y, je vais gérer les sorts. Vas-y, fais. Non, mais je vais gérer les sorts de soins quand il faut les mettre. Ouais, mais s'il a 3000 HP, hein, ça va durer une demi-heure le combat. Le problème, c'est que si tu l'attaques, je peux pas l'attaquer. Vas-y. Il prend cher.
En plus, il a l'air de focus que le gnome. Et bien sûr, quand je... Pousse-toi. Voilà. J'ai l'impression qu'il réduit de taille au fur et à mesure que tu qu'il prend les dégâts. Effectivement, il était bien plus gros tout à l'heure. Par contre, l'interface, elle commence à un peu merder, je trouve. Alors, c'est que moi qui... Ok, là, ça pose problème. Oh, normalement, on a de quoi récupérer de la mana. Oui, on a de quoi faire. Faut juste pas que je meure tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas, d'accord. Oh. Pas grave, on va faire sans le nom. Je vais mourir. Mais non, tu ne vas pas mourir. Si tu te trompes de sort, si, je vais mourir. Je suis mort. What? Parce que j'ai lancé le sort avant que tu sois mort. D'accord. Alors du coup, ça compte quand même pour un point. Par contre, là, je vais mourir. Et moi, je l'ai pas touché. Ah non, je suis pas mort. Bon, tu le jettes Ah voilà. Qu'il avait pas acheté son chocolat. Alors logiquement, on va obtenir un sort ténébreux. Tu t'es récupéré de la mana là? Logiquement oui. D'accord. Chien de focus. Ah putain, j'étais en train de faire mon attaque. On va pas y arriver. Je vais crever. Ressuscite le gnome. Okay. Je vais crever moi. Par contre, ça, on n'a pas de sort pour ressusciter. Soigne-moi, s'il te plaît. Oh, bordel! Je prends vraiment cher, là, au niveau des dégâts. Scanne-le pour voir, là, combien de PV il lui reste. Alors... Moi, je dirais dans un tour de 1000. Oh. D'accord, là, c'est pas grand chose. Ah, le gnome il attaque pas en fait. Bah oui, on l'a. Ah si, il a attaqué. Ouais, on l'a eu. Putain, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Donc que va-t-il se passer? Non, en fait, t'inquiète, c'est pas que j'ai pas assez farm, c'est le fait qu'on a tellement dépendu de la magie jusqu'à maintenant que là, sur le boss, on a plus... Enfin, qu'on n'a pas pu utiliser la magie, bah du coup, on était un peu en mode what the fuck, quoi. Je me nomme Ombre, esprit de ténèbres, et je régnais autrefois sur le royaume des forces du mal. J'étais craint et haï, mais mon pouvoir fut jadis scellé par un héros. Ce sceau étant brisé, je vous confie mon pouvoir comme le veut notre loi. Adoptez les pouvoirs d'ombre. Et donc on restaure l'épée de mana.
Voilà. J'ai une épée violette maintenant. Swag. Non, tu vas aller où, Nightmare? Il va. Moi, je suis la fille, là. Hein. Adestro vient de remarquer que t'avais une perruque. Ouais, je sais. Attends, parce que... Il y a un truc que je voulais aller voir, on n'a pas été là-haut. Non, ah bah non, il n'y a rien. Ok, j'ai rien. Il y a un mur. Mm. Ah, je sais que t'aimes les murs, mais bon... C'est bon comme fruit. Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. Est-ce que c'était assez ou il faut que j'en refasse? Je pense que tu dois le refaire. Ah ah, ah ah, Destro, il croit que c'est ses vrais cheveux, quoi. Oh non. Ah non, non, c'est pas mes vrais cheveux. C'est une perruque. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? L'Oréal, parce que je l'aime bien. Parce que je l'aime bien. Moi, je propose. Ah ouais, comme quête? Ah merde. Je pense qu'aller à l'auberge serait pas mal. Essaye avec un autre player à la rigueur. Ouais, parce que là on doit faire le plein d'objets. Mais les objets c'était ailleurs. Les objets c'était ici. Voilà, faisons le plein d'objets déjà pour commencer. Bonjour! D'ailleurs, on n'avait pas acheté les armures de ce coin là, je crois. Effectivement, c'est ce que j'étais en train de me dire en fait. En tout cas, on est bientôt à la fin du jeu. J'ai vraiment hâte de le terminer. Comme ça, là, je repars de zéro au niveau des let's play. Les radis, on en a pas utilisé. Par contre, on en a utilisé. Ouais. C'est bon, bon, maintenant les. Mince, je voulais faire les armures. Ouais. Alors. Et là, c'est les armures de ouf, tu sais. 1, 2, 3, 1. C'est chiant, les menus dans le jeu. 3. Là, juste 2. 2. Seulement 2. Voilà. Séquence équipement maintenant. Ah non, je sais, elle peut pas. Elle. Effectivement, comme quête, là, c'est un peu chaud. C'est pas encore sûr et certain. Merde, pourquoi j'ai retiré le casque? Vas-y, équipe-toi. Yes. Ah, mais Catboy, la coche et Pumpkin est partagée en plus que deux. Ah ouais, 78 quand même. Parce que là, on avait 52. Ça aurait pu être utile dans le donjon, effectivement. On ne vend pas Ah oui, si, vas-y. Excuse-moi. Monsieur l'économe. Monsieur le comptable, s'il te plaît. Et en plus, tu sais que tu as déséquipé le gnome. J'ai déséquipé le gnome. Oui, le casque, t'as déséquipé le gnome du casque. Ah ouais. Oups. Tu ne t'es pas équipé du brassard. Tu vas le faire. Regarde, pour la peine. Vends le mien si tu peux le vendre. Pour la peine, je t'arrache du bras le tien. Voilà. Bon. Voleur. Et tu fais ça devant le marchand, quoi. Lui, il est là. Oh, bah, c'est normal, hein, tout va bien. Allez. Attends, je rééquipe en vitesse. Enfin, j'équiperai le gnome après. Brassard, à toi.
C'est comme dans les jeux genre Skyrim ou Fallout. Tu vas dans le magasin, tu te mets en accroupi et si t'as assez de. Si t'as assez de discrétion, tu peux voler le magasin et lui vendre après, tout à fait normal. Mmh. Bon, on doit aller où maintenant? Donc on a un nouveau pouvoir. On va pouvoir tester ça. On voulait sauvegarder avant. Parce qu'avec tous les bugs qu'on a eu, c'était un peu tendu quand même. Bon. On dort puis on enfourche le dragon. Yes. En tout cas, j'espère que ça vous plaît le petit let's play sur Secret of Mana. Parce que c'est vrai que c'est plutôt cool, même si bon bah on n'a pas tout le temps l'occasion d'y jouer. Mais on avance quand même plutôt bien à chaque live. Sauf qu'il y a eu un ou deux lives où à chaque fois on galérait. Mais maintenant on prépare ça un petit peu. Enfin, surtout Nightmare. C'est toi qui invoques le dragon ? Ouais. Il me fait penser à l'autre là dans Histoire sans fin. On doit aller à Aurifera, l'île de l'Empire. C'est bien. Nord-est, sud-ouest. Près du désert de Kakara. D'accord. Trouvons le désert. Voilà. Là, j'ai le désert. Je pense que c'est ce truc au milieu de l'île. Là, il y a Kakara. Alors, regarde, j'ai l'impression que c'est de l'eau. J'ai l'impression que ça lag. Oui, aussi. Mon dieu. Pourtant, le live, ça lag pas. C'est ça qui est bizarre. Hein. Bon. Tu peux pas descendre plus ? Non. Ta solution, ça a pas l'air d'être très complète, mon cher. Hein, j'ai envie de te dire. Attends, je continue de lire. Ah, je me suis posé, je sais pas où. Cet endroit me rappelle vaguement quelque chose. Oui, tu nous as mis à Kakara. D'accord. Le dragon chien, ouais, c'est ça. Avec Adriou, là, dans l'histoire sans fin. Remonte. Essaye de monter au max. Bien. Voilà. À gauche, maintenant. Enfin, tourne à gauche. Maintenant, tout droit. Dieu, attends, pose-toi. Il y a le décalage. Pose-toi, je vais le piloter. D'accord. Ce sera plus simple comme ça, je pense. Effectivement. Vas-y, hein. On est au sol. Et j'attendais en fait qu'on puisse utiliser les touches. Je peux même pas conduire un dragon. Bon, j'avais vu une île quelque part par là. Moi, Nightmare, l'homme à tout faire. Je ne joue pas, je ne fais rien, bordel de merde. Allez, je veux retoucher ma manette. Sinon, je vous la donne, les gens. Vous voulez une manette Super Nintendo? Pour le PC? Je vous la donne. Non, ça vous tente pas? C'est quoi, là? D'après toi, c'est quoi, ici? Je sais pas. On va se poser pour voir. Oh dieu, un dragon nous attaque! Les gens, ils... on est déjà venu ici. Oui, ça a l'air d'être... Est-ce que c'est là où tu dois aller dans ta Solus? Oui, c'est la ville avec les rebelles, là. C'est ici. Dommage, Damien.
Et on doit aller là, Nightmare, ou... nous fait marcher, quoi. Il parle de l'île de l'Empire. L'île de l'Empire. Donc pour moi, par là, non, on est déjà venu ici. C'est pas ça, attends. C'est une île, on n'est pas sur une île. Je te dis, mot pour mot, ce qui est écrit. Le sage est parti à la tour dorée située sur Orifera, l'île de l'Empire. Si vous vous souvenez, elle est située à côté du désert de Kakara. Enfourchez votre dragon et ensuite en route. Moi, je dis, ça se trouve, c'est là, en fait. On doit y aller à pied, quoi. On fait le tour du désert, il n'y a pas d'île. Quoique. Ah, peut-être moins que ce serait celle-là. Bonjour. Ok, ça c'est quête secondaire, je pense. Je sais pas, en tout cas c'est pas écrit dans mon truc. Où nous as-tu emmené? Je sais pas. Bon, essayons de trouver où on est. Bonjour, où on est? Bonjour. Ouais. Okay. Vous êtes useless, on se casse. Bon. Bonjour. Ouais. Putain, ça rame dans les maisons, quoi. Non, t'as pas l'impression? On court tout doucement en ralenti, quoi. Ok, d'accord. Blablabla. Bla, bla. On a trouvé gland. L'amour, ça n'a rien à voir avec l'âge, les adultes ne peuvent pas comprendre ça. Alors, c'est... Ok. On est mari et femme, mais c'est des enfants. Ouais, 25 ans et on est mari et femme, alors ça te pose un problème. On n'a pas été ici. On est précoce. Ouais, ok. La carapace d'une tortue géante. Bon, je suppose qu'on va revoler, hein, écoute. J'ai pas de problème avec ça, mais... Bon, bah c'est pas cette île. On va trouver. Donc, le désert est là. On peut pas avoir une carte, en fait ? Bonne question. Non, y'a pas de carte. Non, moi je pense hein, sincèrement que on doit aller ici à pied. Attends. Ah. Ils veulent pas un endroit? Si. Mais on est toujours. Ouais, on est encore, non, c'est pas ça alors. Je pense que tu vas devoir regarder une autre solution, mon cher. Parce que là, celle-ci a pas l'air d'être au point. En fait, je cherche une carte. D'ailleurs, je... Ah non, j'ai cru que t'avais frisé sur le live, mais non, c'est bon. Non. Non, ça c'est le temple. Oui, on est perdu avec un T à la fin, exactement. Chut, tu peux pas parler. Ah, 27 sur la carte. C'est pas celle-ci. En
fait, on peut pas être perdu vu que le jeu nous donne pas de directive. Donc, retourne là où il y a la toute petite île dans le truc noir. On va partir de là pour que je te donne mes directives. Ok. J'y suis. Bon, ensuite, tu te mets à l'est. Ouais. Pile poil et tu suis la direction. Ok. Et là, c'est là. Ah bah, c'est là où t'étais. Non ? Ah non, j'ai rien dit, c'est pas là où t'étais. Ça ressemblait de haut. Voilà. La tour dorée. Et donc on doit aller où ensuite ? Attends, faut que je remette la solution. Bon, on en profite pour boire un coup, moi. Et puis après, on va pas tarder à s'arrêter. Donc on doit monter l'escalier au nord-ouest. On fait le tour de l'île. Quelque part, il doit y avoir un petit vieux qui nous raconte blablabla et qui nous dit que la clé est quelque part. C'est le roi. Un espion de Tamanisnica en a volé la clé il y a des années, mais il a été capturé à Meridia et exécuté. On n'a cependant jamais retrouvé la clé. Je me demande bien ce qu'il y a dans cette tour. D'accord, donc maintenant on a l'info, qu'est-ce qu'on doit faire ? Non, on doit aller à Sudia. C'est où ça ? Enfin, je pense qu'on va aller à l'auberge de cette ville, on va s'arrêter là. Puis pour le prochain live, on va préparer un petit peu ce qu'on doit faire. On va avoir une carte et tout, on va tracer les trucs. C'est ça. Alors peut-être que demain il y aura un live, je ne sais pas. En tout cas, Nightmare va vous proposer un live tout de suite après celui-ci, où il va terminer Final Fantasy 1. Donc si ça ouais. vous intéresse, switchez dans quelques secondes, une fois que le live sera terminé, pour aller voir celui de Nightmare. Mais là c'est équipement. Ouais. Quoi qu'on on peut voir ce qu'il y a, on peut s'équiper. Non mais c'est what? C'est quoi, le forgeron. Oui, mais ils vendent rien. Non. Mais on a des trucs à faire forger déjà. Effectivement, on en a deux. Une quête qui dit déjà au revoir. D'accord. Elle est pressée. J'ai le firmware qui veut pas se mettre à jour, Catboy. On va se paumer juste à trouver nos pères. Elle est là l'auberge, regarde une tasse de thé. Non, c'est un café ça. Ça se trouve, bonjour. Mais si, mais on est des clients nous, justement, madame. Là, il y a mademoiselle pour. Je suis jalouse. Ils sont tous partis vivre dans une nouvelle station à la mode. Non. Moi je dis c'est pas là. C'est... Même l'arbre il est en or quoi. Ouais c'est ça. Ah c'est là. Ah. Non ça c'est le, ça, c'est ah, le oui, magasin merde. D'objets. Ah. Y'a pas d'auberge ici, c'est quoi ce bordel ? Ici. Ah auberge. Il était temps. Allez on va dodo. On va dodo. Ça va, c'est... on a connu des endroits plus chers. N'empêche, on dort vraiment dans le couloir, quoi. J'avoue. Et le matin, tout à le bruit d'aspirateur. En tout cas, on a un petit peu avancé, on a fait un donjon, on a battu le boss. On a eu de la chance parce qu'on a eu des bugs. On aurait pu ne pas être du tout rendu là à la fin du live, étant donné qu'on aurait pu tout recommencer. Donc ça aurait été chiant. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne nuit. Nightmare, veux-tu dire un petit mot pour dire au revoir ? Je sais pas. Au revoir.
Voilà, c'était leur voix le plus sexy de Nightmare. C'est Et ouais. Et moi, je vous dis, eh bien, peut-être à demain ou non. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Bisous à vous et bah, n'hésitez pas à aller voir le live de Nightmare en allant sur le flux ADNP sur le site internet. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.